Salut tout le monde, c'est Wanigi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir un tripack Ténèbres Embrasées avec la carte promo d'Evoli, donc la SWSH 042. Et un jeton magnifique, on a dans chaque tripack, on a 50 exemplaires. Et avec ça on va s'ouvrir un coffret Chiffourse V, point final. Ou Chiffourse point final V, non plutôt Chiffourse V point final. Quoique on s'en fiche. Avec, alors apparemment ils ont mis l'énergie point final en reverse, mais c'est une simple reverse, ok. Le Chiffourse en carte promo et la même chose en jumbo. Donc c'est parti, on va commencer par le tripack. Donc dedans, 3 boosters, Ténèbres Embrasées. D'ailleurs c'est les 3 mêmes, en Goliath Gigamax. Donc on va voir ce qu'on peut avoir là-dedans. En 3 boosters, c'est pas évident hein, de terminer, de trouver une ultra. Le jeton magnifique qu'on a en 50 000 exemplaires. Oh. Et la carte promo que je viens de faire tomber, d'Evoli, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la SWSH 042. Et elle m'a l'air très très sympa. Voilà, regardez en détail. Hop, petit zoom. Hop, voilà. Alors attends, c'est quoi? Il y a de l'eau, il y a du feu, il y a tout ça autour de lui. C'est quoi comme attaque? Signe d'évolution? Ah, c'est son attaque signature, tu sais. Non, t'es sûr? C'est pas celle où il invoque les 7 élus? Oui, c'est ça. Je sais pas. J'ai plus souvent l'impression que. Ouais, je sais pas. Ah, ou triple attaque? Ah, ouais, un peu. Un peu plus peut-être. Mais j'ai pas, après, je regarde par rapport aux attaques qu'il a là. Et signe d'évolution, on dirait que. C'est comme s'il hésitait en quoi il allait évoluer, mais. Ah, peut-être. Mais je sais pas. Bon, c'est pas très important. Allez, on est parti sur les 3 boosters Ténèbres Embrasées. C'est les 3 mêmes illustrations, donc il n'y a pas de questions à se poser. On ouvre. Très belle carte en tout cas. Et puis on espère. En 3 boosters, comme je vous l'ai dit, compliqué d'avoir quelque chose. Déjà, si on tape une holographique, on peut se dire que le tripack est chanceux. Et si on n'a rien, bah, c'est juste compliqué, c'est normal. Donc c'est parti. Allez, le symbole pour la série est donc étourmi. Poussifeu en pâte à modeler. Vorastéri. Tic. Un saut lourdeau, derrière Sapeuroo en commune reverse et Hippodocus en simple rare, énergie haut, énergie normale puissance, Peterson, Mesmer est là, ok. Donc rien dans le premier booster, c'est pas déconnant, c'est pas grave. Le but c'est quand même de trouver un maximum de cartes que je n'ai pas encore, je sais pas lesquelles je n'ai pas encore, mais voilà, on essaye de compléter. Rondoudou, Cracnon en tricot, Poussifeu qu'on vient d'avoir. Minisange, Teddy Ursa, Tauros en commune reverse et derrière, oh, Darumacho de Galar en simple rare. Elle est sympa. Elle est sympa sous sa forme, je sais plus comment on appelle la forme. Trans, en mode trans. Voilà, je sais pas où je l'ai cherché, mais j'ai réussi à le trouver. Énergie électrique, Poltegeist, Sorboule et Cherose. Ok. Allez, dernier booster. Pour l'instant, on n'a rien. Et si on n'a rien, c'est pas déconnant en soi, on se rattrapera dans le coffret, on espère. Après, si on tape quelque chose, tant mieux. Allez, on y croit. Froussardine, Minisange, Galekid, Poussifeu, Monsieur Mime de Galar, Vorastéri en commune reverse et. Ok. Polagriffe en simple rare, énergie haut, cap d'endurance, Vortante, et on termine avec l'énergie. Vortante, c'est ta dernière peu commune que tu avais pris. Et ben voilà, on a fini les peu communes de cette série Ténèbres Embrasées. Allez, on est parti sur le coffret Chiffourse. On vire les cartons. On vire le plastique. On va mettre les deux cartes sous protège-cartes. Non, peut-être pas celle-ci. Parce que c'est juste une énergie reverse en fait de la série. Style de combat. Ça se trouve je l'ai déjà en plus. Et si je l'ai pas tant mieux, ça complétera mes reverse. Donc hop, on va essayer de vous montrer tout ça. Ok. Donc on a que 3 boosters dans ce. Non, 4. Ah pardon. 4 boosters dans ce coffret. C'est quand même pas énorme, mais c'est mieux que ce que j'imaginais vu que je pensais à 3. Donc on a la carte Jumbo, je vous la montre tout de suite, Chiffourse, point final V, SWSH 106, à côté de la carte classique, vous voyez, donc elle fait 1, 2, ouais, 5 fois peut-être la carte. Donc voilà, voilà la différence, après ça reste une carte Pokémon classique. Donc la même en plus petit, voilà, elle est vraiment sympa.
voilà, de style, point final. Et donc, au niveau des boosters, on a du Ténèbres Embrasées encore avec Eternatus cette fois-ci, forme Gigamax, du style de combat avec Chifourse de type O, forme 1000 points, du Soleil et Lune Ultra Prise, purée, ça commence à être vieux aussi, avec Giratina, et du style de combat encore avec Pingoléon. Donc, si on est logique, je dirais dans cet ordre-là. Donc, on est parti sur Ultra Prisme. Oui, je vous ai pas montré la carte énergie Reverse, mais c'est pas très important. Début 2018, Ultra Prisme. Ouais, ça fait 4 ans. 4 ans et demi. Ouais. Ouais, on n'était pas encore double champion du monde à ce moment-là. Pour essayer de se mettre de la temporalité. Et il n'y avait pas encore le Covid. Ouais, c'est vrai. Allez, Ultra Prisme avec le triangle. Et donc Gritnot, Electek, Wistikram, hop, Pachirisu, Sablette d'Alola, Romfeu en peu comme une reverse et Itran en holographique. Yes! Bon, c'est cool. Ouais, moi non plus, je viens juste de le voir. Donc en 7 boosters, une holo. On peut espérer peut-être 2 holos quand même pour l'ouverture, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Énergie électrique, skateboard d'évasion. Évasion, c'est tout. Luxio et énergie unitaire. Ok, bon, on va quand même mettre Itran sous protège carte. Cool. Cool la petite holographique là. Et donc c'est parti. Avec, on repart sur du Ténèbres Embrasées. Les mêmes cartes que ce qu'on a ouvert dans le tripack. Allez, Mimigal, Pyronille, Hippopotas, Gringolem, Skitty, Ursaring en peu comme une reverse et oh. Boum, 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 des Molosses V, elle est sublime. Waouh, les couleurs au fond. Ouais. Et puis le Pokémon, la prestance du Pokémon. Donc c'est la 178 sur 189. Donc des Molosses Full Art, sublime. Sublime carte, ouais. On va juste terminer énergie électrique, Vibra Nymph. Flamoutan et on termine avec Celeroc. Ok, je vais mettre tout de suite Démolas sous protège carte. Sublime. Bon bah, une foulard plus une holo. C'est bon, les ratios sont respectés. Maintenant, on part sur du bonus. Du bonus à gogo en 7 boosters, c'est cool. Yes. Donc là, maintenant, si on a autre chose, c'est booster coffret chanceux. Et si on n'a rien d'autre, on a notre ratio. Donc ça, c'est cool. Sublime carte. Hein. Le choix du bleu et du rose derrière, c'est sympa, ça change pour une carte de type feu. Et Démolos, je trouve que c'est un Pokémon tellement badass, tellement classe. Ah, ils l'ont mis en type feu ou en type ténèbres? Non, il est type feu. C'est vrai qu'il a le double type. Et donc, on est parti sur les derniers boosters avec style de combat, le symbole pour la série, et c'est parti avec Larvadar, Charby, Eoko, Onix, Gripat en pâte à modeler, Colomar en peu comme une reverse, et... Oh! Une petite holographique avec Toco Toro. Donc là, là, vraiment, on est bien, on est bien, on est bien. Énergie électrique, éventail houleux, coléodome et 8 messires mâles. Ok, yes, on est bien. Petit holographique là, ça fait plaisir. On prend tout ce qui vient. C'est que du bonus. Allez, dernier booster avec le Chifourse. Toujours sur style de combat. Et on fera une petite récap de fin de vidéo. Gruikui, Chaglam. Dunaja, Viscuse, Malos, Recycleur d'énergie un peu comme une reverse et Exagine en Saint-Flora, énergie rose, sol combat, 8 messires, Jean Floré et Jean Targe et Colomar qu'on a eu en reverse tout à l'heure. Donc c'est parti, petite récap. Bon, je vous remontre pas les cartes la carte jumbo, ni le jeton Manaphy, on n'en a rien à secouer. C'est bien quand c'est la première fois qu'on l'a, mais on l'a en 10-15 fois, un moment stop. Donc, les cartes promo avec Evoli SWSH 042 du tripack. Donc ça, c'est cool. Petite carte sympa. L'autre carte promo de cette vidéo avec le coffret Chifourse point final V. La SWSH 106, très sympa aussi. Et donc, au niveau des cartes qu'on a obtenues, on a eu Toco Toro, la 16 sur 163 de style de combat en holographique. Donc ça, c'est cool. Itran en holographique de Ultra Prisme, la 88 sur 156, donc ça aussi c'est cool. Ça on l'a eu dans... En fait on a tout eu dans le coffret. Mm-mm. On n'a rien eu dans... Dans le tripack, je crois qu'on n'a rien eu. Ah ouais. Mm. Et
Démolos V2. C'est pas Ténèbres embrasées. C'est Ténèbres. Non, c'est. Ah, il m'énerve parce que ça se ressemble. C'est Ténèbres embrasées. Peut-être. Si, les trois. Si, c'est Ténèbres embrasées, pardon. Mais on confond avec style de combat. Style de combat, c'est presque pareil. Ouais, c'est presque pareil. Donc, Démolos V en full art, là, 178 sur 189, sublime carte, hein, vraiment sublime carte. Donc, en fait, dans le coffret, sur 4 boosters, on a eu 3 ultras avec 2 holographiques et une full art. Donc, il a bien rattrapé le tripack qui nous a rien fourni. Donc, voilà, avec les cartes promo, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et merci à vous de me regarder. Allez, à plus.